Salut à tous, c'est Sam22. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu complément des deux dernières vidéos que j'ai faites. Les deux dernières semaines, vous aviez vu qu'on avait testé un MacBook Pro 2012 que j'avais acheté sur eBay, qui était le MacBook le moins cher que j'avais trouvé. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé comment j'avais fait pour installer macOS Ventura dessus. D'ailleurs, j'ai remarqué dans la deuxième partie que j'ai complètement mélangé Ventura puis Sonoma. Dans le fond, c'est Ventura qui est sorti en premier, puis après, c'est Sonoma. De la manière que je disais ça dans la vidéo, je l'avais comme inversé, mais pas très grave, juste pour le mentionner. Donc, quelqu'un m'a demandé comment j'avais fait. Donc, j'ai décidé d'aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Au lieu de réutiliser la même machine ou une machine, sinon j'ai un MacBook Air 2013 que j'aurais pu utiliser qui tourne sous une vieille version, qui tourne sous Linux ou puis une vieille version de macOS, ce genre d'affaires-là, j'ai décidé d'aller vraiment basiquement au plus vieux. Donc, ça, c'est un MacBook 2009 et c'est un early 2009, c'est-à-dire que c'est la version avant la génération Unibody. Donc, c'est la génération qui utilisait encore du SATA 2, c'est la version qui utilisait encore de la DDR2 qui était limitée à 6 Go de RAM. Là, en plus, c'est 4 Go parce que des barrettes de 4 Go DDR2, bonne chance pour en trouver pour des portables en bas de 60 piastres de la barrette, ça vaut vraiment pas la peine. Puis c'est ça, c'est vraiment je pense que théoriquement les late 2008 peuvent vous s'installer OpenCore Legacy Patcher, mais voilà, ça je pense que c'est vraiment le minimum qu'on peut voir. Donc on va juste voir un peu comment est-ce que OpenCore Legacy Patcher où on peut le trouver, comment l'installer sur une clé USB, comment l'installer sur sa machine, puis un peu comment, juste le processus au complet. Donc on va l'ouvrir. Donc, comme j'ai dit, c'est un MacBook 2009. Donc, en ce moment, il tourne, si je me souviens bien, 10.14, qui est pas officiellement compatible avec cette version-là non plus. Donc, ça tourne sous quelque chose qui s'appelle... c'était Catalina, je crois. Donc, c'est Catalina Patcher, qui était un peu l'ancêtre, si on veut, de OpenCore Legacy Patcher. C'est-à-dire, c'était fait par un gars qui s'appelait DustDude, qui fait encore beaucoup de choses sur YouTube, mais qui fait plus vraiment ce genre de choses-là côté macOS. Donc, OpenCore Legacy Patcher a comme un peu pris le relais. Donc, OpenCore Legacy Patcher, je crois que c'est pour 11 et au-dessus. Donc, lui, il s'arrêtait à 10.15, qui est la dernière version de OS X. Donc, ça tourne déjà une version qui n'est pas censée faire tourner, mais on va le monter à Ventura. Et je dis bien Ventura parce que malheureusement, Sonoma a vraiment trop de problèmes, même sur les machines plus récentes, comme j'avais dit. Donc, puis sur ce genre de machine-là, c'est encore pire. Donc, on va juste aller avec Ventura. C'est vraiment le choix plus ou moins safe. Donc voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, apparemment je me suis trompé, c'est pas Catalina, c'est moi avec qui tourne. Donc 10.14, donc une version un petit peu plus vieille que je pensais, mais c'est pas grave, ça va être correct pour ce qu'on veut faire. Je crois que ça prend 10.11 minimum pour pouvoir mettre en place OpenCore Legacy Patcher. Donc c'est pour ça que dans la vidéo j'avais dit qu'il faut un Mac quand même relativement récent pour pouvoir mettre à jour un Mac plus vieux. Donc voilà, ça c'est quoi? Ouais, bon, c'est ça. Ça c'est le genre d'erreur qui peut afficher parce que justement, ça utilise déjà APFS, puis le firmware peut pas officiellement le faire tourner. Donc, si vous avez vu, il y a comme des fenêtres, une fenêtre console avec du texte en jaune, ben c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une partition HFS qui a son propre bootloader qui va juste charger la partition APFS. Donc, le boot est un petit peu plus lent. Donc voilà, comme j'ai dit, je triche pas. Donc c'est un MacBook 13 pouces early 2009 avec un Core de Duo 2 GHz, 4 GB de RAM, DDR2, une GeForce 9400M, je crois. Je suis pas vraiment capable de lire d'ici. Et normalement, si on va voir, voilà, l'écran, c'est juste l'écran l'écran intégré 800p. Et voilà, il y a un SSD 128 GB dedans que j'avais mis. C'est un vieux SSD. Et la RAM, comme vous pouvez voir, c'est juste deux barrettes de 2 GB. Donc, on peut en théorie monter à 6, mais comme j'ai dit, c'est pas très. Ça coûte cher, puis ça vaut vraiment pas tant la peine que ça. La différence entre 4 et 6, ouais. Donc, on va commencer pour la préparation. Donc, comme vous pouvez voir, je suis juste au Safari. On va le faire directement sur la machine. Donc, le shell, comme j'ai dit, s'appelle OpenCore. C'est en un mot, normalement, je l'ai mis en deux. Legacy Patcher.
Donc, normalement, ça va être le premier lien qu'on va voir. Wincore Legacy Patcher d'Otrania, je crois, d'Orania. On fait juste aller dessus. J'oublie tout le temps que le tap fonctionne pas sur cet trackpad-là. Donc, Opencore Legacy Patcher, Getting Started. Donc, How to Start, là, vous pouvez voir qu'il explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais zoomer sur l'écran pour vous montrer un peu plus. Voilà, donc comme ça, vous devriez mieux voir. Donc, la première étape, évidemment, qu'il dit, c'est de vérifier si vous avez un modèle supporté. Donc, on peut aller voir c'est quoi. Il y a énormément de modèles. En gros, n'importe quelle machine faite depuis 2008 est compatible. Comme j'avais dit, c'est juste que ça prend une machine qui a au moins 10.11. C'est ça, puis ça permet de faire de Big Sur 11 à Sonoma 14. Donc, si on regarde les machines, vous voyez, c'est séparé. Donc, comme j'avais dit, le Late 2008 est compatible. Fait voir qu'il y a des issues, des problèmes. Comme par exemple, Non-Metal GPU, ça je l'avais mentionné dans l'autre vidéo, c'est que les CPU là-dedans sont pas. Les GPU, les cartes graphiques, sont pas faites pour faire tourner l'API d'Apple Metal. Donc, il y a beaucoup de hacks qui sont faits du côté du software pour que ça fonctionne. Puis USB 1.1, ça on va le voir au moment de l'installation, c'est quoi le problème avec ça. Et vous voyez que c'est ça. Puis ça, nous, ce qu'on a, c'est ça. Donc MacBook Early 2009, 5.2, c'est les mêmes choses. Puis on a Trackpad Jester a Partially Broken. Je crois par exemple que le double clic fonctionne pas le double clic, mais le clic avec les deux doigts. Puis ce genre de choses-là. Donc voilà. Puis plus on monte, plus vous voyez qu'il y a, il y a moins de problèmes. Donc si on veut voir le MacBook Pro la dernière fois, donc on va être ici. Donc c'était celui-là. Donc c'était un MacBook Late 2012. MacBook Pro. Non, c'est le Retina. Donc c'est lui qu'on avait. Donc MacBook Pro 13 pouces 2012. Donc MacBook Pro 9.2. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème qui était. Ben, oui, il y a le Legacy Metal. Qui, comme j'avais dit. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres problèmes de ce côté-là. Donc, lui, on le sait que c'est compatible. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, quand vous allez lancer OpenCore Legacy Patcher, il va détecter votre machine puis il va vous avertir si c'est compatible ou pas. Donc, une fois qu'on sait que le modèle de Mac est fonctionnel, on va à l'étape 2 qui consiste à télécharger l'installeur de OpenCore Legacy Patcher qui vous ramène vers une page GitHub. Donc, évidemment, je vous recommande tout le temps de prendre la dernière version. En ce moment, le moment où je fais la vidéo, c'est la 1.5.0. Inquiétez-vous pas, ça se met à jour tout seul une fois qu'il est installé. Donc, vous n'avez pas besoin de le télécharger après. Donc nous, celui qu'on a besoin, vous voyez qu'il y a plusieurs installations. Celui qu'on a besoin, c'est le GUI App Zip, si je me souviens bien. Donc correction, ça apparemment c'est l'ancienne façon de faire. Donc récemment, ils ont changé. C'est opencorepatcher.pkg qu'il faut utiliser. Donc le patcher GUI fonctionne aussi. C'est juste qu'ils disent que c'est legacy. En fait, il est juste ici, j'avais même pas vu. C'est la façon legacy de le faire. Donc ça fait juste. Ça va juste être effacé bientôt. Donc mettez-vous à jour. Là, vous voyez qu'il y a plein de bugs graphiques en plus. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a avec les GPU non métal, surtout avec l'époque de Mojave Patcher. Donc, c'est ça. On va espérer qu'avec Sonoma, le problème est moins pire. J'ai dit Sonoma encore, je voulais dire Ventura. Donc, une fois qu'il est téléchargé, c'est juste une installation normale. Donc, vous sélectionnez, vous faites juste laisser les paramètres par défaut. Donc, vous faites juste laisser l'installation. Puis, une fois que ça va être fait, l'application va s'installer dans Launchpad comme n'importe quelle application parce que c'est une application normale. Pendant l'installation, je veux juste spécifier que dans le que évidemment vous allez avoir besoin d'une clé USB assez grande. Donc je crois qu'une clé USB 16 Go, c'est bien correct. Ça, dans ce cas-là, c'est du 64 Go. Pas que c'est vraiment nécessaire, mais on va quand même. C'est juste ça que j'ai. Puis, dans le cas d'un MacBook, focus s'il vous plaît, merci. Dans le cas d'un MacBook 2009, vous allez voir qu'il y avait quelque chose qui était spécifié pour USB 1.1. C'est qu'en fait, c'est les machines faites avant 2011, je crois, utilisaient l'USB 1.1 pour relier en interne le trackpad, le clavier et le Wi-Fi. Donc, puis vu que c'est plus compatible, pendant l'installation de macOS, on n'a pas accès au clavier, au trackpad, au clavier. Puis même si on connecte quelque chose en USB, ça fonctionne pas parce que
par défaut, il va essayer de le mettre à 1.1. Le contrôleur USB va essayer de le mettre à 1.1 pour économiser de la, du débit. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser un dock USB 3 ou 2 puis pour contourner. Comme ça, la machine va voir, ok, c'est quelque chose qui est, 2, qui est 2.0. Donc, c'est pour, donc pour un 2009, c'est un gros problème. Mais si vous avez, comme avec le 2012, j'ai pas pantoute eu besoin de faire ça. C'est pas un problème avec les modèles plus récents. Donc, maintenant que c'est fait, on ouvre OpenCore Gazpacher. Et vous allez voir que maintenant, on n'a même plus besoin d'un navigateur. Vous pouvez continuer à... C'est, dans le fond, tout ce qu'il va faire après ça, c'est vous expliquer comment créer l'installateur puis ce genre de choses-là. Je vous recommande probablement de le lire si vous n'êtes pas sûr, mais en théorie, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, vous avez pu voir que ici, il a détecté le modèle. Donc, il voit qu'on est sur un MacBook 5.2. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous choisissez l'option « Create macOS Installer ». Si vous avez déjà votre fichier d'installation, vous pouvez le réutiliser. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire « Download ». Puis là, ça va vous afficher toutes les versions qui sont compatibles. Donc, Big Sur, Monterey, Ventura, puis Sonoma. Big Sur, c'est la dernière version qui n'a pas de problème avec le 1.1. À partir de Monterey, il y a beaucoup de problèmes. Fait qu'il faut utiliser, comme j'ai dit, le dock. Fait que je vous recommande pas d'utiliser ça pour vrai sur un MacBook 2009. Je vous recommande pas d'utiliser un MacBook 2009. Mais c'est ça. Donc on va aller sur Ventura vu qu'il y a moins de problèmes. Vous faites download. Là, je crois qu'il. C'est ça. Là, c'est, il spécifie dans le fond qu'il y a des problèmes qui fonctionnent. Qu'il y a des problèmes avec toute la partie installation avec ce modèle-là de MacBook. Une fois que macOS va être installé, il va être capable d'installer des patchs pour faire fonctionner l'USB et le clavier. Donc, c'est juste vraiment, ils veulent vous avertir que oui, faut que vous fassiez attention avec ce modèle-là, faut que vous soyez conscient des problèmes. Donc, une fois que vous avez sélectionné Download, ça va juste télécharger tout seul la version que vous avez demandée. Puis, on va revenir une fois que ça va être fait. Voilà, donc une fois que le téléchargement est terminé, ça va vous afficher un message pour vous demander si vous voulez créer les clés USB d'installation. Vous pouvez faire oui, sinon je vais faire non pour vous montrer comment il faut le sélectionner manuellement. Donc on retourne à l'écran principal, donc Return to Main Menu. Si on n'a pas vu le message, on peut faire Create macOS Installer. Là on peut faire Use Existing macOS. Ça va regarder sur votre SSD ou votre disque dur pour voir si vous avez un installateur disponible. Pour vous montrer, il est juste ici. Donc, ça a littéralement juste téléchargé un installeur normal des serveurs d'Apple. Donc là, vous voyez que ça l'a détecté Ventura. On le sélectionne. Là, vous insérez votre USB, là, puis vous, ça va la trouver. Donc, dans ce cas-là, avec l'USB 64 Go, on la sélectionne. On confirme qu'on veut la formater parce qu'évidemment, ça va la formater. Et voilà, maintenant, ça va tout simplement écrire l'installateur avec les patchs nécessaires pour votre modèle en particulier. Vous pouvez, j'ai pas montré, il y a quelques options que vous pouvez modifier manuellement pour, par exemple, afficher ou non le menu de boot, ou on pouvoir, par exemple, forcer l'encryption, ce genre de choses-là, mais c'est des choses un peu plus avancées. Donc là, je veux juste montrer la base. Donc voilà, là, on fait juste laisser l'installation faire. Donc nous voilà de retour après avoir fini la copie. Ça elle a été long parce que c'est juste de l'USB 2. Donc une fois que c'est fait, ça demande si on veut finaliser la clé. Donc pour le moment, on va dire non. Là, vous voyez que voilà, j'ai déjà connecté une souris avec le dock pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est installer OpenCore Patcher. Donc vous pouvez faire OK, ben oui, pour pouvoir le faire automatiquement. Je vais quand même faire non pour vous montrer comment il faut faire. Donc il faut sélectionner ici Build and Install OpenCore. Donc là, ça va compiler le patch pour pouvoir démarrer sur cette machine-là en particulier. Une fois que c'est fait, Install to Disk, ça va se regarder là, normalement, c'est ça, ça va trouver le SSD interne et la clé USB. Là, faut le faire sur la clé USB, pas sur le SSD encore. Donc on sélectionne la partition qui dit, on laisse l'installer. Normalement, ça devrait pas être très long parce que c'est pas un très gros programme. Ça, dans le fond, c'est vraiment juste le ce qui va permettre de booter en tant que tel. Parce que, évidemment, ça va pas accepter de démarrer sur une installation de Ventura sur un modèle qui est pas compatible. Donc ça permet de contourner ça.
Donc une fois que c'est fait, ça dit ok, tout est prêt, est-ce que vous voulez redémarrer? Donc on va faire ignorer pour le moment, on va le faire. C'est juste que je veux le faire correctement. Donc on va fermer la machine, éteindre. Donc comme j'avais dit, je peux pas vraiment vous le montrer, mais là je suis connecté après sur un dock USB avec un clavier et une souris, parce que comme ça l'a dit, on va pas pouvoir utiliser le clavier et la trackpad. Donc c'est le désavantage sur un modèle de même, mais comme j'ai dit, sur un modèle 2011-2012, vous allez pas avoir ce problème là. Donc une fois que c'est fait, il faut appuyer sur la touche option ou alt et démarrer. Donc normalement ça va afficher le menu de boot, puis on va pouvoir voir la clé USB. Là, en théorie c'est pas nécessaire parce qu'on affiche déjà le menu de boot, mais voilà, normalement c'est ça que vous êtes censé faire. Donc la touche option, on la laisse appuyer jusqu'à ce que le menu apparaisse, voilà. Donc on va voir qu'il y a Install Ventura, ça si on essaye ça va pas fonctionner, donc il faut sélectionner EFI Boot. Donc ça va démarrer sur la clé, sur le Open Core qu'on vient de créer. Donc là, on est sur un autre écran. Et encore une fois, là, cette fois-là, on peut sélectionner Install Ventura. Donc, on va démarrer sur la clé USB et sur l'installation de Ventura. Évidemment, si vous avez pris un autre OS, ça va être autre chose. Si vous avez pris Sonoma, ça va être Sonoma. Comme j'ai dit, Ventura, c'est vraiment la version qui est la plus recommandée en ce moment. Parce que malheureusement, la version 11, qui est Big Sur, est plus supportée, je crois, à partir de novembre de cette année. La version 12 est pas vraiment moins stable que Ventura. Ventura a plus d'options et plus récent, donc va être supporté plus longtemps, pendant encore quelques années. Puis Sonoma a juste trop de problèmes. Si vous avez par exemple un MacBook Retina 2017 ou un Mac Pro 2000, je pense la première génération de MacBook 16 pouces, je crois pas qu'ils sont supportés encore. Vous pouvez utiliser Sonoma, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on parle des machines un petit peu plus vieilles, ben là, c'est mieux de rester là-dessus. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus rien qui fonctionne ici. Donc, j'essaie de bouger, ça fait rien. Clavier, ça fait rien. Donc, c'est là que normalement, voilà, faut utiliser une souris externe. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez juste upgrader à partir de la version du macOS que vous avez déjà installé. Je recommande pas nécessairement de le faire. Je recommande vraiment de partir de zéro. Donc, c'est peut-être important de faire un backup avant. Donc, moi, dans ce cas-là, il n'y a absolument rien sur cette machine-là. Donc, je vais juste tout le formater. Donc, c'est ici, macOS 10, c'est ça? macOS 12.4, ouais, non, ok. Donc, ça va être celui-là qu'il faut voir que je formate 10.14. Donc, si on fait effacer, on va le formater en APFS, qui est le format de macOS depuis 10.14, je crois, c'est justement. Fait, on peut juste continuer. Donc, quitter l'utilitaire de disque, installer macOS Ventura, prononcez-le comme vous voulez. je le prononce à l'anglaise. Donc, continuez. Là, ça, ça va charger. Ça va probablement prendre un petit moment. Même sur une machine qui est officiellement supportée, si on est sur cet écran-là, c'est long. Puis là, en plus, on est sur une machine qui a un Core 2 Duo avec 4 GB de RAM DDR2, SATA 2, USB 2.0. Donc, voilà, ça va prendre un petit moment. Donc, faut accepter. Évidemment, on accepte les affaires d'Apple. On n'a pas modifié l'ISO, rien pantoute. Donc, ici, maintenant, vous pouvez sélectionner votre disque dur. Donc, apparemment, j'avais pas effacé toutes les partitions. Donc, je suis revenu en arrière pour modifier ça. Donc, j'avais deux partitions. J'en ai aucune idée pourquoi. Donc, on va juste se mettre avec une partition 120 gigs. Puis, normalement, ça devrait être correct. I must confess, I still believe in my mind, give me a sign,
Hit me, baby, one more time. Ah, c'est long. Voilà, donc j'ai réglé l'affaire des partitions. Gérer de la APFS, c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Donc, on sélectionne le disque, on fait continuer. Puis voilà, ça va juste lancer l'installation de Ventura normalement. Donc, on va juste le laisser faire. Puis au prochain démarrage, on va voir qu'est-ce qui manque pour le rendre fonctionnel. 3 hours later. Donc, oui, on a un petit moment plus tard. La première installation a pas voulu fonctionner, je sais pas pourquoi, j'ai dû la redémarrer puis ça l'a fonctionné après ça. C'est le genre d'affaire bizarre qui peut arriver en utilisant des vieilles machines comme ça. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là ça fait peut-être 1 heure qu'il est sur cet écran-là. Puis vous voyez que voilà, le clavier puis le touchpad sont détectés. Donc en le. Puis quand ça venait d'être fait, genre après 1 demi-heure, ça fonctionnait toujours pas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que. Voilà, je vais vous montrer, c'est quelque chose qui s'appelle les post-install patches qui règle ce genre de problème-là, donc tant mieux. Mais normalement, ça, je vais vous montrer comment les installer manuellement si ça se fait pas tout seul pour vous. Donc, on va configurer correctement. Donc, on est au Canada. Je suis au Canada, je suis neutre. Non, allez, masculin, on s'en fout. Donc, je vais essayer de passer l'étape de créer un compte. Vous pouvez vous connecter normalement avec votre compte Apple. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Du côté d'Apple, ils vont voir que c'est un MacBook 2009 ou peu importe votre modèle qui devrait en théorie pas faire tourner cette version-là de macOS, mais ils font rien. Ils vont pas bloquer votre compte ou quoi que ce soit. Puis ça va quand, iCloud va quand même fonctionner. Le fait de recevoir les messages, pas les messages, mais les codes d'identification, par exemple, pour se connecter sur votre compte, sur une autre machine, sur un iPad, sur un navigateur, ça va quand même fonctionner, tu sais, le MFA. Donc voilà, tout ça fonctionne. Est-ce que oui, langue français, oui, accessibilité plus tard, pas besoin. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Voilà, donc le Wi-Fi fonctionne. Données confidentialité, oui. On va rien. Là, c'est là en théorie que vous pouvez juste importer à partir de Time Machine ou d'un ordi Windows. Je sais pas trop comment on fait ça. J'ai jamais vraiment fait. Je reporte tout le temps mes machines de zéro, mais on va ignorer. Là, c'est ça. Je veux pas connecter avec mon identifiant Apple. Je vais juste continuer avec un compte local. Donc oui, on n'a absolument pas modifié macOS. On accepte le contrat de licence. Donc non, ça va juste être Cédric. Je vais rien mettre pour le reste. Il force à mettre un mot de passe, hein? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Il accepte. Je me fous que vous sachiez que c'est un 2, 3, 4, 5 parce que de toute façon, cette machine-là va être formatée directement après cette vidéo-là pour je sais pas trop quoi. Peut-être réinstaller Linux dessus, peut-être installer une version qui supporte encore les applications 32 bits, ce genre de choses-là. Parce que il y a aucun, pour vrai, il y a aucun intérêt à utiliser Ventura sur une machine comme ça parce que c'est trop lent et pas vraiment utilisable. Mon Dieu, que c'est lent! Un corps de Dieu avec 4 gigs de RAM, c'est vraiment pas fait pour faire tourner Sonoma. Bon, voilà. Donc, sincèrement, encore une fois, ça c'est pour la démonstration, pour vous montrer qu'on peut vraiment le faire. Si vous avez un vieux macOS, si vous avez un vieux Mac qui utilise encore un Core Duo, je recommande plutôt d'utiliser Linux ou, à la limite, d'utiliser quelque chose comme. Je sais pas, c'est quelque chose comme Windows 10 à la limite. Hein. Oui, quand je suis à. Oui, Saguenay, oui. Exactement là, évidemment. Partager l'analyse. Non, merci. Apple vont se poser des questions. Temps d'écran. Non, merci, j'ai pas 8 ans. Siri, non, merci, j'ai pas 8 ans.
On va laisser le clair, mais en thé... je sais que dans certaines versions plus vieilles, comme Catalina Patcher, le mode sombre fonctionnait beaucoup mieux que le mode clair qui avait des bugs graphiques à cause du GPU. Donc, je ne sais pas trop si c'est encore le cas avec Ventura, donc on va voir ça. Ça fait tellement de bruit, c'est tellement chaud. Donc, je sais pas si ça va s'entendre à caméra, mais le fan, il tourne à 100% depuis le début, en fait. Il a vraiment du mal. Là, c'est vraiment bizarre, ça m'a connecté, après ça m'a immédiatement déconnecté. Donc, voilà, on est de... voilà. Donc, mise à jour vers Sonoma, on va l'ignorer pour le moment, même si en théorie, on peut le faire. Donc, voilà, on est sur un MacBook 2009 qui tourne Ventura. Très mal. Donc voilà, corde duo. Je suis vraiment pas capable de lire vu d'ici. Fait que je pense que c'est deux. Je crois que c'est écrit 2 GHz corde duo. Nvidia GeForce 9400M. 256 MB de RAM. Ça, je sais pas comment ils ont fait parce que Nvidia, c'est juste pas compatible avec les versions récentes de macOS. Donc il y a beaucoup de hacks qui ont été faits de ce côté-là. 4 GB de RAM DDR2. 10 de démarrage sans titre, parce que j'ai pas donné de nom quand je l'avais fait. Numéro de série, Ventura, voilà. Donc, il n'y a aucun, y a aucune triche de ce côté-là. Je vois que, voilà, c'est ça. Il y a le même genre de bug qu'on avait avec Mojave. Il y a des petits bugs de transparence. Donc, c'est ça. Ce genre de bug-là, normalement, sont corrigés si on active le mode sombre. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on est avec le mode sombre, puis ça a l'air de faire exactement la même chose. Ok. Donc, c'est vraiment le genre de bug à quoi vous pouvez vous attendre avec, avec ces vieux Mac-là sur des versions récentes de macOS à cause de ce que j'avais mentionné, Metal. Donc, on va revenir au guide. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous allez voir que les applications, il y a OpenCore Patcher qui est ici. Donc, normalement, c'est censé se lancer automatiquement après le démarrage. Mais si ça le fait pas, fait le lancer manuellement en passant par ici. Donc j'ai désactivé le focus automatique parce que ça commence à être un peu tannant. Donc après ça, pour pouvoir installer les drivers GPU, les drivers USB, ce genre de choses-là, faut que vous alliez dans Post-Install Root Patch qui va voir s'il y a des patchs appliqués et qui va vous demander si vous voulez les appliquer parce que en théorie, vous pouvez ignorer. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, vous pouvez le faire. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a pas. Parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà été installés automatiquement lors du premier démarrage. Mais vous avez vous allez voir ce qui est écrit ici, juste à faire Start Routing Patch. Puis ça va les installer tout seul, ça va vous demander de redémarrer. Puis ça va être, fait. Là, le problème en ce moment, c'est que l'ordinateur va juste, l'ordinateur va uniquement démarrer si vous utilisez la clé USB. Qui a la version patchée dessus parce que le bootloader lui est toujours pas installé. Donc ce qu'il faut faire c'est faire le build and install OpenCore comme on avait fait la première fois avec la clé USB. Sauf que là cette fois-là on va le faire directement sur le SSD interne. Donc faut qu'il le recompile. Parfait, installé sur le disque. Donc il lit le disque. Et là on le voit, donc Kingston 120 GB. On le sélectionne, on sélectionne la partition EFI. On le laisse faire, puis on va pouvoir redémarrer après pour montrer que normalement tout fonctionne correctement. On n'a plus besoin de la clé, on n'a plus besoin d'avoir la clé USB connectée. Pour le moment, on va ignorer parce que je veux vous montrer une autre petite chose. Donc là, quand vous allez redémarrer, ça va vous afficher l'écran de sélection de la partition. Si vous voulez pas avoir ça, vous pouvez aller dans Settings pour avoir les options avancées. Donc, je vous conseille pas de trop toucher à ça parce que c'est des options un peu plus, un petit peu plus avancées, comme c'est suggéré. Par contre, vous pouvez décocher ici Show OpenCore Boot Picker. Là, dans ce cas-là, ça va pas vous montrer le boot. Tout ce que ça va faire, c'est que ça, pour pouvoir afficher le boot, si vous voulez démarrer, mettons, sur l'USB, ben, il va falloir que vous maintenez la touche Escape pour le faire. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va redémarrer.
Voilà, donc on voit le même message qu'on avait eu avec Mojave, parce que c'est la même technologie, c'est-à-dire ça faut que ça contourne le firmware. Donc voilà, là on voit que sans titre macOS, si on touche à rien après 5 secondes, ça va démarrer tout seul. Sinon, on peut, en allant dans Settings, dans Open Core Patcher, on peut aller changer le temps. Je n'ai pas accroché le pied. Donc, dans Open Core, le Guest Patcher, dans les options, on peut juste aller changer le temps. On peut mettre plus de temps, on peut mettre moins de temps, on peut juste l'enlever complètement. Normalement, sur mes machines, je l'enlève complètement. Puis, je fais juste maintenir la touche Escape pour pouvoir aller au menu de boot si j'ai besoin. Mais là, je vais le laisser comme ça parce que c'est la configuration par défaut. Puis, vous pouvez voir que ça va effectivement être assez lent. Donc, on va le laisser tourner un peu. Donc voilà, c'est un clavier, ce n'est pas très important. Donc voilà, installer Open Core Guest Patcher, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Quand il va y avoir des mises à jour, dans le fond, ça va juste vous avertir. Comme si, mettons, ils sortent la 1.5.1 demain, ils vérifient de temps en temps, fait que ça va juste vous afficher un message pour vous dire, hey, la 1.5.1 est sortie, voulez-vous l'installer? Donc, il va falloir que vous juste repatchiez le disque, mais vous n'avez pas besoin de le réinstaller à chaque fois. Puis, si vous vous mettez à jour, par exemple, vers Sonoma, je conseille pas de le faire avec les mises à jour automatiques d'Apple, mais en théorie, ça fonctionne de le faire comme ça. OpenCore, Guest Patcher, ben là, sur le modèle 2009, il va plus détecter l'USB après le démarrage, évidemment. Donc, c'est un problème. Mais en théorie, OpenCore Guest Patcher, au premier démarrage de Sonoma, il devrait détecter les patchs n'existent plus. Donc, il faudrait que vous le réinstalliez. Puis, ça devrait vous demander de le faire. Donc, voilà. Mais je recommande plus de réutiliser OpenCore Guest Patcher directement pour recréer une nouvelle clé avec Sonoma, puis updater comme ça. Donc, voilà. C'est vraiment pas très compliqué. Juste pour finir ça, tant qu'à avoir un vieux MacBook 2009, vous vous souvenez que la dernière fois avec le MacBook Pro, j'avais dit que le CPU c'était vraiment pas très bon, puis que le GPU c'est le pire que j'avais testé sur Geekbench. Ben, on va juste faire un petit test Geekbench pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis je peux déjà vous faire un petit spoiler. Le GPU, c'est pas seulement le pire, c'est qu'il existe juste pas, parce que c'est pas un GPU métal, donc puis l'API ça utilise juste métal, donc en tout cas, quand j'avais essayé cette machine-là avec Catalina Patcher, il détectait même pas le GPU installé. Donc, à moins qu'il y ait de quoi qui ait changé dans Geekbench 6 par rapport à Geekbench 5, il peut juste pas faire de benchmark. Le fan fait un bruit horrible et on faisait juste télécharger quelque chose. Ah, c'est sûr que l'utilisation de la RAM doit être à 100%, puis elle du CPU probablement. Même des menus, ok, c'est moins pire que je pensais. La caméra donne l'impression que c'est pire que c'est vraiment. Mais c'est pas très très fluide, mettons. Juste ouvrir. Des fois, la vieille interface de macOS me manque. L'interface, on pouvait juste faire ignorer quand il essaie de vérifier un logiciel à ouvrir. Mais maintenant, évidemment, avec la sécurité augmentée, tout ça, ils permettent plus de le faire. Donc, on est dans Geekbench et on va aller voir dans GPU. Exactement comme je disais, il détecte même pas le GPU. Donc, on peut même pas faire de test de GPU. Donc, ça va juste être un test de CPU. Et je sens vraiment que ça va vraiment pas être très reluisant. Puis, d'après moi, juste faire le test, ça va probablement prendre pas loin d'une heure. Donc, on va le laisser faire. Voilà, donc comme prévu, ça a quand même été assez long. Ça a pris un petit peu plus qu'une demi-heure. Je suis pas sûr que je m'attendais. Une heure, j'exagérais un petit peu. Mais ouais, ça a été quand même assez long. Donc, vous pouvez voir single core 256, multicore 448. Donc, c'est plus ou moins, c'est deux fois plus, évidemment que c'est pas exactement un pour un de la manière que ça fonctionne. Donc voilà, 256, ça devrait se faire à 512, ici on a 448, mais c'est quand même pas loin. Puis j'ai même pas besoin d'aller voir ici pour dire que c'est définitivement le processeur le plus lent que j'ai jamais testé sur Geekbench. Donc le deuxième. Ok, wow, le deuxième plus lent, pardon, c'est la Surface Go 2 avec son Pentium. Donc, la Surface Go 2, vous voyez que la version Pentium et pas Core M est vraiment horrible. Puis après ça, c'est un Core 2 Quad qui est logique parce que c'est la même génération. Donc voilà. Puis en multicœur, pareil, c'est de loin le plus lent. Mais, ah, j'ai le i7 première génération qui est plus lent.
qui est populaire, mais qui est après, là, ça dépasse le Pentium. Donc, voilà. Donc, de toute façon, ça c'est juste le petit bonus pour s'amuser un peu avec ça. J'avais oublié de rallumer la lumière, donc c'est pas très grave. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo-là. Donc, c'était beaucoup plus un guide OpenCore Legacy Patcher pour ceux qui s'intéressaient, puis aussi pour montrer que, voilà, même une vieille machine comme ça, on peut l'installer. Encore une fois, je me répète, faites-le pas. Installez Linux. À limite, installez Windows 10, même si Windows 10 est vraiment pas bon là-dessus non plus. Mais pour vrai. Si c'est ça l'ordinateur que vous devez utiliser, c'est un petit peu triste pour vous. Donc, je recommanderais probablement plus d'acheter l'ordinateur le moins cher possible sur eBay. Donc, et je vais utiliser cette opportunité-là justement pour vous dire que j'en ai déjà mentionné à la fin de l'autre vidéo. Mais la prochaine vidéo que je vais faire la semaine prochaine, ça va être le Mac. Non, pas un Mac. Ça va être le ThinkPad le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Donc, on va pouvoir voir ça. Puis, je peux déjà vous dire que ça va être plus rapide que ça, j'espère. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.